Ils étaient nombreux à prendre part à cette journée de sensibilisation sur le cadre mondial pour la biodiversité Kunming Montréal. Ce séminaire d'information sur la biodiversité, organisé par la Direction générale de l'environnement et du développement durable en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, rentre dans le cadre des Journées nationales de l'environnement. La journée de sensibilisation qui nous rassemble ce jour est très importante pour la mise en œuvre de ce cadre au Gabon. Vous, parlementaires du Sénat, avez un rôle stratégique important à travers vos missions. Fort de cela, il est nécessaire de vous tenir informés de l'importance de la biodiversité et la nécessité d'adopter et suivre les politiques publiques en faveur d'un développement économique qui préserve et restaure la biodiversité. L'édition 2024 de la Semaine nationale de l'environnement porte sur le thème « La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse », un thème qui cadre avec l'émission du Sénat de la transition. En organisant cet événement au sein de notre chambre du Parlement, la Direction générale de l'environnement et le WWF ont pris la mesure de l'urgence d'un puissant plaidoyer auprès des parlementaires de la transition pour rénover de conscience les animateurs du pouvoir législatif appelés à légiférer sur des questions encore perçues par une frange de l'opinion comme complexes. Il est important de rappeler que le Fonds mondial pour la nature est un partenaire de premier choix du Gabon en matière de biodiversité. Nous avons commencé par la présentation du directeur général de l'environnement et du développement durable, qui est par ailleurs le point focal de la Convention de diversité biologique, qui a présenté le cadre mondial de la biodiversité, le nouveau cadre mondial qui découle de la Kunming Montréal. Ce séminaire est la première action d'une longue collaboration entre le Sénat de la Transition et la Direction générale de l'environnement et du développement durable pour la mise en place d'un corpus légal en matière de biodiversité au Gabon.